Ou diminution de plaisir pendant les rapports sexuels, la frigidité féminine est une pathologie que l'on observe très généralement chez les femmes qui ont subi une excision du clitoris. Comment savoir que l'on n'est pas frigide? Ou mieux encore, comment savoir que l'on est satisfait sexuellement? Est-ce que toutes les femmes qui ont subi ou pas une excision du clitoris sont à même à développer cette pathologie? Pour mieux comprendre ces différentes questions qui vont meubler notre entretien, nous sommes une fois de plus allés à la rencontre du docteur Totia, gynécologue obstétricien à la clinique Bethel de Dakar à Douala, c'est au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Reflet d'Afrique Télévision. Ce soir, dans le cadre de votre émission Santé Plus, nous parlons de la frigidité féminine. Et pour avoir des éclaircissements sur cette maladie, nous sommes une fois de plus allés à la rencontre du docteur Totia, gynécologue obstétricien à la clinique Bethel de Dakar à Douala, c'est au Cameroun. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Carole. C'est Carole Vauton. Hein? C'est Carole Noukoua. Carole Noukoua, bonsoir. Nous savons que vous avez un emploi de temps assez surchargé. Merci vraiment de nous avoir accordé un peu de votre temps. Il n'y a pas de quoi. Avec votre permission, nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est quoi la frigidité féminine? Bon, le mot frigidité, en fait, veut dire manque de désir sexuel. La femme frigide ne va jamais éprouver l'envie de faire les rapports sexuels. Alors, c'est un genre de femme que je ne peux pas dire comme ça. Peut-être on peut le dire qu'on viole à tout moment parce que violer, c'est un peu trop dire. Bon, elle est peut-être consentante, mais elle n'a aucun plaisir à pouvoir le faire. Donc la frigidité, en fait, ça, le manque de désir sexuel, le manque de libido, c'est-à-dire, c'est une dame, elle le fait parce que le mari demande à faire. Elle ne le fait pas parce qu'elle veut le faire. Et chez elle, carrément, il n'y a pas d'envie. Donc, elle peut rester comme ça, même pendant un an, ça ne lui dira rien du tout. Donc, c'est ça le terme frigidité. Frigidité, c'est un manque d'intérêt porté, n'est-ce pas, à... tu vas au sexe, quoi. Et quelle peut être la cause directe? On ne sait pas trop, en réalité, quelles sont les causes. Mais il y a quand même des facteurs tels que, mis ensemble, on peut parler de frigidité. Alors, il y a des causes liées, commençons de façon graduelle. Les causes qui sont liées au stress, à l'état psychologique. C'est très important, l'état psychologique de la femme. Alors, imaginez-vous une femme qui va à un mariage contre son gré. Ça se passait un peu dans le temps, mais ça continue à se passer aujourd'hui, même dans certaines régions de notre pays. Alors, vous allez voir une femme qui, comme ça, a été donnée à un homme et elle n'a pas aimé cet homme parce que le point central est neurologique, je veux dire nerveux. C'est le système nerveux qui gère tout ça. Les envies, c'est le système nerveux qui gère. Alors, une femme qui n'aime pas un homme et qui se trouve être, n'est-ce pas, son épouse, c'est très compliqué pour elle. Parce qu'elle n'a pas envie de cet homme. Et le fait de ne pas avoir envie de cet homme, elle peut être frigide. Ça, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire, sur le plan, on va aller à droite, on ira à gauche, mais on reviendra toujours, n'est-ce pas, sur cet état mental, si on peut le dire. Alors, donc, voilà une cause principale. C'est-à-dire, c'est son état psychique. Son état psychologique, le stress,
Il y a des femmes qui sont très stressées. Peut-être on ne rencontre pas trop dans nos pays, mais en Occident. Des femmes qui sont trop stressées, qui vivent le stress au quotidien. Et vous savez, je vous donne l'exemple, c'est un pays, bon, on a un peu eu l'expérience de ce qui se passe là-bas. C'est un pays où vous allez voir des gens, vous comptez les gens, vous pouvez compter peut-être 5 personnes. Vous allez voir que les 4 sur 5 personnes sont des personnes qui vivent, n'est-ce pas, dans un état permanent, n'est-ce pas, de dette. Ils sont endettés parce qu'on les aide à s'endetter. Alors, donc, une femme, par exemple, qui n'est pas mariée, c'est déjà un facteur, quelque chose, c'est quelque chose déjà de moins en elle. Elle ne connaît pas ce qui peut être comme une chaleur, n'est-ce pas, masculine. De deux, elle vit dans une société où on l'entraîne comme ça dans des dettes et elle est surendettée. Bon, et je vous dis que cette femme-là, c'est une femme qui est frigide, parce qu'en réalité même, elle va vous dire qu'elle n'a pas le temps de faire ce que vous êtes en train de dire en ce qui concerne, n'est-ce pas, les rapports sexuels. Elle n'a pas le temps de le faire. Elle sort très tôt le matin, elle court, parce que si elle ne court pas, elle ne pourra pas rembourser sa dette, elle ne pourra pas manger, elle ne pourra pas payer sa maison, elle ne pourra pas, etc. Donc c'est très compliqué. Donc on tourne toujours sur le plan, on atterrit sur le plan psychologique. Alors il y a le stress, ça remonte, et puis sur le plan psychologique, il y a un blocage. Mais dans nos sociétés africaines, il y a un certain genre de femmes frigides qu'on crée. Ouais. Les cultures du Nord, je veux dire Nord Cameroun, le Sahel, toute la bande sahélo-saharienne, ok, donc vous, ces femmes du Sahel et même un peu au-dessus, n'est-ce pas, du désert, c'est-à-dire dans le Maghreb et tout ça, il y a une coutume, il y a une façon de faire qui fait que on empêche, n'est-ce pas, aux femmes de, n'est-ce pas, d'être frivoles. Il y a une façon d'empêcher aux femmes d'être frivoles. Alors, pour les empêcher d'être frivoles, on leur fait une petite chirurgie à la naissance, enfin, après la naissance. Donc, il y a des femmes au Mali, au Niger, au Nord Cameroun même, dans toute cette bande, n'est-ce pas, au Burkina Faso. C'est pour ça qu'il y a des associations qui luttent contre ça. On appelle ça l'excision. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Alors, l'excision, c'est une technique qui consiste à enlever le clitoris de la femme. Alors, voilà des femmes frigides qu'on a fabriquées par nos cultures. Alors, et s'il faut parler de l'excision, il y a trois types d'excision. Il y a l'excision du premier degré, qui consiste à enlever seulement, n'est-ce pas, le clitoris. Il y a l'excision du deuxième degré, qui consiste à enlever et l'utérus et la petite lèvre. Et il y a l'excision du troisième degré, qui consiste, alors là c'est de la sauvagerie, à enlever et le clitoris et les grandes lèvres et les petites lèvres. Et vous voyez la femme quand elle ouvre les jambes, c'est un boulevard, c'est un trou, c'est quelque chose, c'est dégueulasse. Alors, donc, dans la culture, on dit les femmes qui sont comme ça, en fait, ne marchent pas, comme on dit. C'est-à-dire... Donc, le but recherché, c'est... C'est de les apprivoiser. C'est... Oui, c'est de les apprivoiser. Oui, Carole, vous avez la liberté, n'est-ce pas? Faut rendre grâce à Dieu pour la liberté que vous avez en tant que femme camerounaise, on peut dire émancipée du Sud et tout ça. Mais je vais vous dire... La même liberté que vous avez, ce n'est pas celle que les autres ont dans la partie nord du pays. Je veux dire le nord, l'extrême nord, etc. Et c'est aujourd'hui qu'on voit les femmes se dire, mais c'est pas possible, nous voulons quand même nous exprimer. Sinon, il n'y a pas de place pour ton expression. Ta place, c'est derrière. Ta place, c'est à la cuisine. Ta place n'est pas au salon où les invités sont. Ta place est derrière, tu fais le repas et tu envoies. Même dans la mosquée, ta place est derrière parce que tu pries derrière. On dirait qu'il y a un Dieu qui est derrière, l'autre Dieu qui est devant, on ne comprend rien. On n'est pas là pour critiquer les cultures des gens. Mais on dit ceci, que
que il y a certaines coutures quand même qui nous arrière, qui nous empêchent quand même, qui empêchent à la femme surtout de s'exprimer. Et c'est ce genre de culture, excusez-moi le terme, barbare. Des associations sont en train de se faire et ils travaillent beaucoup. Au Cameroun, ils ne sont pas très actifs, mais j'étais en Afrique de l'Ouest où j'ai fait près de 15 ans. Je sais de quoi je parle. Il y a déjà des associations qui sont fortes et ce qui fait que ces pratiques reculent déjà, heureusement. Alors donc, la pratique de l'excision, c'est une pratique qui est connue, acceptée, tolérée. Il y a des exciseuses comme des chirurgiens. Elles sont là avec leurs couteaux. Ce sont les femmes qui pratiquent cela? Oui, ce sont des exciseuses. C'est des femmes qui ont été formées pour faire ce genre de chirurgie. Et je vais vous dire, les complications post-opératoires, si on peut dire comme ça, sont souvent... Comment je peux vous dire? C'est incroyable. Parce que les moyens, les techniques de stérilisation ne sont pas... Les techniques d'asepsie ne sont pas respectées. Alors donc, ça veut qu'un couteau, qu'on passe un peu au feu comme ça, on écarte les jambes, on tient fort, elle tient le clitoris, elle sectionne à vif. Il n'y a aucune technique, n'est-ce pas, d'anesthésie quelconque. Voilà. La douleur elle-même devient anesthésiante. Est-ce que vous savez que si vous vous blessez très profondément, vous n'aurez plus mal? Ouais. La douleur devient comment je dirais, elle devient anesthésiante. Et c'est des pratiques vraiment à déconseiller. Alors, s'il faut revenir à la frigidité, voilà une technique qui permet de fabriquer les femmes frigides. Elles sont nombreuses comme ça. Voilà. Je voulais comprendre, y a-t-il une différence entre le manque de désir sexuel et l'anorgasmie? Vous voulez demander si une femme frigide, c'est-à-dire qui n'a pas envie de faire les rapports sexuels, peut atteindre l'orgasme, oui ou non? Oui, c'est ça. Si, elle atteint l'orgasme. Donc une femme frigide peut atteindre l'orgasme. Ça dépend de comment est-ce que vous la prenez. Elle peut atteindre l'orgasme, mais avoir l'envie de commencer, c'est parfois très difficile. Elle n'a pas envie, tout simplement. Mais si vous réussissez à l'amener... Bon, pour revenir à notre histoire d'excision tout à l'heure. L'excision, comme je vous le disais, c'est l'ablation, n'est-ce pas, du clitoris. Alors, et je vous le disais à l'avant-émission, que ce ne sont pas toutes les femmes qui sont clitoridiennes. En voulant fabriquer une femme frigide, tu peux plutôt fabriquer une femme très active sexuellement. Parce que c'est vrai que la plupart des femmes sont clitoridiennes, mais d'autres aussi sont vaginales. Vous comprenez? Bon, alors, donc, c'est pour ça qu'une femme, par exemple, qui, en fait, dont le mari ne connaît pas qu'elle soit, n'est-ce pas, vaginale, il va peut-être déployer ses efforts sur le plan clitoridien pour essayer d'amener sa femme à atteindre l'orgasme et n'arrive pas. Alors, donc, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que il y a deux types de femmes. On l'a déjà dit. Il y a la femme clitoridienne, la femme vaginale. Alors, vous avez posé la question importante de savoir si la femme qui est frigide, n'est-ce pas, peut atteindre l'orgasme. Et la réponse est oui. Mais c'est parfois après la croix et la bannière. Donc, ce n'est pas une chose très facile. Et pourtant, elle procrée. Donc, il ne faut pas faire des amalgames. Ces femmes-là font des enfants très bien. Normalement. Elles font des enfants et elles ont des voies génitales qui sont... Non, il n'y a pas de souci avec ça. Mais seulement, c'est l'envie de faire les rapports sexuels qui pose problème. D'accord. Et c'est la frigidité qui est un problème. D'accord. Nous avons parlé à présent des facteurs endogènes et exogènes. Exception faite de ces femmes-là qui ont subi l'ablation du clitoris. Qu'est-ce qui peut bien amener certaines femmes à avoir ce manque de désir sexuel? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le manque d'amour. Dans la plupart des cas. Est-ce qu'un viol ne peut pas également, une femme qui dans sa jeunesse a été violée? Très bonne question. Oui, oui. Et bon, une femme qui en fait est violée, qui a été violée, est une femme diminuée, est une femme traumatisée. Et nous avons connu des viols qui ont eu pour conséquence une grossesse. En tant qu'obstétricien, on a toujours été confronté à ce genre de situation. Dans ma carrière, peut-être deux fois déjà, une femme
qui a été violée et qui est enceinte. Elle vient me voir pour que je pratique l'avortement. Bon, ma conception, ma foi ne me permet pas de pratiquer ça. Et vous voyez que, du coup, c'est très compliqué parce que cette petite fille qui n'était pas prête à pouvoir déjà avoir un enfant est enceinte. Peut-être qu'elle n'est pas mature pour pouvoir porter cette grossesse à bout. Ça, c'est une problématique. Alors, pour celles qui ont subi de viol, qui n'ont pas eu de grossesse, c'est d'elles que vous êtes en train de parler. Alors, vous avez brisé, n'est-ce pas, l'intimité. Vous avez détruit, n'est-ce pas, vous avez enfoncé l'hymen de cette femme. Parce que la plupart se disent, bon, c'est aujourd'hui peut-être, dans le siècle présent, ce n'est plus très important. Mais c'est de notre côté, hein, c'est très important de l'autre côté du Maghreb et du Sahel. C'est-à-dire, c'est très important que ces femmes-là puissent aller en mariage, n'est-ce pas, sans que l'hymen ne soit enfoncé. Vous voyez? Donc, c'est un défi. Alors, quand vous venez comme ça, la dévierger, vous lui enlevez toutes les chances d'être une épouse un jour. Et vous la traumatisez sur le plan psychologique, au point où, lorsqu'elle voit, il y a des femmes comme ça, qui sont obligés d'être suivis par le psychiatre, les psychologues, pour essayer de les amener à reprendre un coup de vie normal. Parce que quand vous la violez, vous volez sa virginité, vous devenez pour elle un bourreau, et vous déplacez même, n'est-ce pas, des données dans son cerveau, dans son système, dans son subconscient, au point où, lorsqu'elle voit un homme, elle voit directement son bourreau, et elle n'a même plus envie, en fait, en ce moment-là qu'on puisse dire, voilà, une des causes peut être ça. C'est-à-dire, elle n'a plus envie de faire les rapports sexuels du tout. Alors, parce que la première fois n'a pas été facile, ça a été trop brutal, et du coup, ça l'a traumatisée, du coup. Alors, donc, il faut qu'elle puisse avoir cette cure, n'est-ce pas, au niveau psychologique. Parce que je vous entends bien, docteur, ça veut dire que l'éducation ou alors l'appartenance religieuse influe également sur certaines femmes qui se retrouvent avec ce manque de désir sexuel. Soyez plus explicite. Je veux comprendre, est-ce que l'appartenance religieuse, oui, par exemple, oui, l'appartenance religieuse, par exemple, ou l'éducation même, oui, peut influencer sur certaines femmes qui les amènent à ne pas avoir de désir pour un homme? Je dirais oui et non. Bon, je voudrais prendre un exemple concret. Je prends par exemple, je les ai côtoyées beaucoup, les filles musulmanes. Alors, et je côtoie aussi les chrétiens. Vous avez parlé de facteurs religieux, il faut qu'on en parle un peu. Alors, donc, la parole de Dieu, en fait, ne cautionne pas ce qu'on appelle la fornication, en fait. Alors, donc, on enseigne cela, j'enseigne ça à ma fille. Je lui dis, ma fille, tu n'as pas le droit de faire des rapports sexuels tant que tu n'es pas mariée, ce n'est pas bien. La Bible n'aime pas ça et Dieu n'aime pas ça. Alors, donc, du coup, ma fille grandit avec ses interdits. Ok? Alors, donc, quel est le revers de la médaille? Le revers de la médaille, c'est qu'à partir d'un certain âge, s'il n'y a pas eu de, entre guillemets, la côte, elle n'a pas trouvé sa côte, le complément de sa côte, si on peut dire, si elle n'a pas trouvé son alter ego, et que ça prend du temps, etc., finalement, vous êtes en train de fabriquer un monstre froid. C'est-à-dire que à un moment donné, vous allez vous rendre compte que si on ne fait pas attention, si on ne prie pas suffisamment pour cette jeune fille, elle va être amenée, n'est-ce pas, à fuir. Parce que depuis l'enfance, je lui enseigne que c'est le péché, c'est pas bon, c'est le péché, c'est pas bon. Et puis, elle considère dorénavant l'homme comme étant, voilà, celui qui va venir lui enlever, lui voler sa virginité. Et dans un cas, c'est très bon, parce que c'est comme ça qu'elle devrait être. Dans un autre cas, on peut verser dans l'exacerbation, on peut verser
dans l'exagération, on peut verser dans les conséquences de, tu vois, de cette situation. Et que c'est que lorsque, n'est-ce pas, son mari viendra, elle ne sera même plus capable de pouvoir le satisfaire, ou ne sera même plus capable de faire ce dont il a envie. Mais en réalité, sur le plan religieux, comme je le dis, bon, je parle de chrétien parce que j'en suis un, mais je dis que c'est bien, au final c'est bien, parce qu'elle finit toujours, lorsque cette période de fiançailles et tout ça est passée, lorsqu'elle est mariée, c'est vrai qu'il y a des faux pas, n'est-ce pas, qui peuvent arriver dès le début, mais il faut toujours être derrière à la coacher. C'est-à-dire à lui dire, voilà, maintenant ce n'est plus ça, ça doit être comme ci, ça ne devrait plus être comme ça. Alors, quand vous ne la coachez pas, elle peut rester pour son mari une femme, n'est-ce pas, frigide. Voilà. Et est-ce que nous ne pouvons pas considérer l'hypocrisie de certains hommes comme étant un facteur qui influe également ça? Parce qu'il y a certaines femmes, quand elles ont des rapports avec un homme, ils ne cherchent pas à savoir si elle est satisfaite ou non. Le plus important pour lui, c'est qu'il soit satisfait. Est-ce que cela ne jouerait pas également un rôle? Un peu moindre, pourquoi? Parce que, en réalité, quand il y a une relation entre un homme et une femme et que, bon, ils atteignent le stade, n'est-ce pas, où il leur est permis de faire les rapports sexuels, déjà, que ce soit l'homme ou la femme, ils sont dégagés sur le plan psychologique. Donc, il y a la liberté, n'est-ce pas, de le faire. Sur le plan psychologique, tous les deux sont libérés. Maintenant, vous posez un problème pratique, c'est-à-dire que chez l'homme, le temps d'atteinte de l'orgasme, il est relativement court par rapport à la femme. Et pour qu'une femme atteigne l'orgasme, c'est un mécanisme, un ensemble de mécanismes qui doit se mettre en marche. Et ça prend énormément du temps. Je ne sais pas si vous allez me démentir, mais c'est en fait ça. Alors, la personne qui atteint l'orgasme entre l'homme et la femme, c'est d'abord l'homme. Voilà. Et il est question donc que l'homme réussisse à connaître d'abord sa partenaire. Parce que s'il ne connaît pas sa partenaire, il peut, n'est-ce pas, dans un premier temps, y aller, et puis, bon, quand ça vient, il ne contrôle pas, et puis quand il atteint l'orgasme, c'est fini. Même sur le plan physique, lorsqu'il atteint l'orgasme, il est fatigué. Ok? Donc, alors que l'homme qui comprend, qui connaît sa partenaire, il peut retarder ce temps d'orgasme parce qu'il veut amener sa partenaire, n'est-ce pas, à atteindre aussi un niveau. Parfois, les deux à la fois y vont et puis ça fait du bien aux deux. Alors, un homme qui ne connaît pas, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai et ça peut ne pas être vrai aussi. Parce que ça dépend de la personne qui est en face. Si c'est ton épouse que tu connais très bien, généralement tu ne peux pas être aussi égoïste au point de penser seulement à toi et sans elle. Tu sauras que si je prends le temps, si je fais ceci, je fais cela, elle va pouvoir atteindre l'orgasme, moi peut-être après, et ça sera bien. Bon, c'est quand ce n'est pas ta propre femme et que peut-être tu sois en train de tricher avec une autre femme. Alors donc, sur le plan psychologique, il y a tout ça qui se met ensemble. Ça se met ensemble. Surtout si cet homme est en train de tricher pour peut-être revenir voir sa femme après. Bon, ce qui l'intéresse, c'est juste qu'il atteigne l'orgasme et puis bon, basta, c'est fini. Bon, il faut voir que c'est vrai un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est habituée, n'est-ce pas, à être mise dans ce cas de figure, où il y a l'homme qui cherche seulement à atteindre l'orgasme lui seul et puis s'en fout d'elle, ça peut constituer aussi un facteur de blocage psychologique à son niveau. Donc dans ce cas, on peut dire que c'est vrai, il peut avoir une influence sur la frigidité. Ça peut, mais très peu. Et quelle est la conséquence directe dans un couple où il y a manque de libido?
venant de la femme. Manque de libido venant de la femme. Oui, quand une femme n'a pas de libido. Ça entraîne souvent le divorce. Hein? Bon. Ouais. Dans la plupart des cas. Et ça, on ne va pas vous dire que c'est le divorce. Enfin, que c'est la cause du divorce. Cette cause est parfois, on tait cette cause-là. Imaginez un homme qui est avec son épouse, qui vit en couple avec une femme, et la femme ne sait pas que vraiment il faut que, un, elle éprouve peut-être cette envie, parce qu'il faut qu'elle éprouve déjà l'envie. Elle éprouve l'envie et puis qu'elle amène son homme à passer à l'acte. Ok? Alors donc, s'il faut toujours que l'homme fasse le pas, bon, généralement les hommes font toujours le premier pas. La plupart des femmes, on les viole tous les jours, même quand elles sont consentantes, entre guillemets. Elles refusent parfois de laisser croire qu'elles ont vraiment envie de le faire, surtout nos femmes africaines. Hein. Bon, elles ont, je ne sais pas si c'est tabou ou bien quoi, mais je ne sais pas. Mais un homme qui, n'est-ce pas, qui a une femme, qui est face à une femme, qui est frigide, là, il faut que je vous le dise, il y aura un problème. Parce que cet homme-là, chaque fois, est obligé, n'est-ce pas, de demander, de négocier son épouse, ce qui n'est pas déjà bien. Et si elle est frigide, lui ne pourra pas être là tout le temps à tolérer une situation pareille. Donc, ça peut être un facteur même de divorce. Parce que la femme frigide, n'est-ce pas, c'est une femme qui, généralement, ne répond pas, si on peut dire comme ça. Donc, elle ne répond pas. Et parce qu'elle ne répond pas, ça peut être un facteur de découragement du mari. Et ça peut, dans le cas extrême, aboutir, n'est-ce pas? Et que doit faire un couple qui est dans ce genre de situation? Que doivent-ils faire pour sortir de cette situation qu'on peut dire un peu compliquée? Voilà. Que peut faire ce genre de couple? C'est très simple. Il faut rencontrer le médecin. Quand on rencontre le médecin, et il y a un certain genre de médecin aujourd'hui qu'on appelle les sexologues. Bon, ça, c'est eux qui ont appris dans les profondeurs ce que moi je ne connais pas. Donc eux, ils connaissent. Il faut rencontrer le médecin, c'est très important pour qu'il y ait un diagnostic. Parfois la prise en charge est pluri et multidisciplinaire. Parfois ce n'est pas seulement le gynéco. Le gynéco a besoin, n'est-ce pas, de psychologue ou besoin, n'est-ce pas, de sexologue pour qu'ensemble, n'est-ce pas, cette femme, ce couple soit pris en charge. Et généralement, ça se passe bien. Généralement, ça se passe bien. Quand le problème est central, quand le problème est psychologique, quand ça vient du système nerveux, généralement, le psychologue et même le psychiatre réussissent généralement à redonner à la femme l'envie, n'est-ce pas, de faire des rapports. Mais si la cause est anatomique, comme on le disait tout à l'heure, l'ablation du clitoris, on ne peut rien contre ça. C'est comme ça, elle est frigide. Si elle est clitoridienne, on lui a enlevé son clitoris, elle est frigide. Ah, d'accord, docteur. C'est sous ces mots du docteur Tocha que nous allons nous séparer. Merci, docteur, de nous avoir consacré. Je vous remercie. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette émission de Santé Plus. Les programmes sont en continu sur Refait d'Afrique Télévision. Bonsoir.